Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Ein Het Dine Efsek Beseuda Uperot, la page Shin Ein Het. Il dit le rab, Vechet Mishibirach Asukaya, Omastik, Shiesh Bometikut, Veyatsa Mibeto Lahutz Vasukaya Adain Bepim. En Zayel Arzor Velevarech Afilo Olech Derech Aruka. ולראות אלא אפילו אם לקח עמו כמה סוכריות בכיסו ולאחר שיסיים אכילתו ואכילת הסוכריה שבפי לוקח רוצה לקח עוד מהסוכריות שבכיסו אין צריך לברך שנית על הסוכריה הנוספות כל שבעת הברכה היה בדעתו לפתור את כל הסוכריות שירצה לאכול. En premier, il faut comprendre que on a להלכה de הולכי דרכים. Si, quand tu manges quelque chose à l'endroit où tu te trouves, tu avais l'intention de continuer à manger ton sandwich, continuer à manger tes glibettes, ton gâteau, etc., etc., ça veut dire que tu n'as pas fixé l'endroit où tu te trouves. Ça veut dire que toute ton intention, c'était de manger et de marcher. Alors, l'okava mekomo, tu n'as pas fixé l'endroit, mais là, ça dépend de ton intention. Ton intention, elle dit... Sauf que tu peux prendre tes glibettes, tes bonbons, etc. Et tu peux continuer même en dehors de la maison. Mais si tu avais l'intention de manger sur place, et rien qu'après, tu t'es dit que je vais sortir de la maison, là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Même que tu as l'aliment dans la main, tu as le manger dans la main, tu veux sortir, sauf, tu rentres dans un machloket achronim, est-ce que tu dois refaire la bracha? Parce que tu es sorti avec l'aliment. On lui dit le rabbin, un homme que lui, qu'il a fait la bracha sur un bonbon, sur un chewing-gum. Là, on parle qu'il avait l'intention de sortir de la maison. Et Yatsa Mibeto, il est sorti de sa maison avec le bonbon qu'il a dans sa bouche. Il n'a pas besoin de refaire la bracha, même si maintenant il va marcher très long. Et pareil que cela, il dit le rabbin. Même si maintenant tu as pris combien de bonbons dans ta poche, et après que tu as fini le bonbon de ta bouche, tu veux prendre un autre bonbon, etc. Okay? Alors là, il nous dit le rab, pas besoin de refaire la bracha pour les autres bonbons, pareil dans les glibettes, parce que tu avais l'intention de manger encore d'autres bonbons. Ochim mebiim lifneim. פירות בזה אחר זה וביכותיהם שוות אינם צריכים לברך אלא על הפרי הראשון שדי בברכה אחת על כל המינים שביכותיהם שוות ואפילו אם לא היה בדעת בעל הבית ליתן עוד לפני אורחיו ונמלח והביא לפניהם עוד פירות אין צריך לעזור ולברך ואם האורח מתגורר אצלו איזה זמן או בין אצל אביו וכדומה, שרשאי לקח ולאכול מבית, מבעל הבית, כל מה שיחפוץ, בטל ממנו דין אורח. Alors, qu'est-ce que ça veut dire דין אורח? דין אורח, ça veut dire l'invité. Faut savoir que l'invité, il est soumis à le בעל הבית, à le propriétaire. Tout ce qui va te dire le propriétaire, tu dois faire au niveau de comportement dans la maison, au niveau des brachot, etc. Seulement, même de manger. Le propriétaire te dit de manger, c'est manger. Seulement, si maintenant tu n'y arrives pas, tu n'aimes pas, etc. Tu ne vas pas maintenant te mettre dans une situation que tu vas vomir pour cela. Okay? Mais il faut savoir, tout ce qui te dit le balabait, assis-toi, lève-toi, enlève ton chapeau, enlève ta veste, mets-toi à l'aise. Okay? Sauf s'il te dit sors de la maison. Là, tu n'as pas le droit de l'écouter, okay? Entre les parents, t'es gentil. Là, il faut un respect. Il dira, un invité, qu'on lui donne des fruits, un après l'autre. Et la bracha des fruits, c'est la même. Par exemple, une poire, une pomme, une pêche. Il faut faire la bracha seulement sur le premier fruit. Okay? Ça suffit, et il dit le Rav, ça suffit de la bracha, d'une bracha pour tous les fruits. Et même si maintenant tu n'avais pas l'intention de manger encore d'autres fruits, ça veut dire que tu as une pêche. Tu as fini la pêche, tu n'as plus envie de manger. Et après,
le balabait, le propriétaire, il te donne maintenant une poire. Là, pas besoin de faire la bracha sur la poire. Que c'était pas le, si maintenant dans le même cas, tu étais chez toi à la maison, puisque tu as mangé la poire, et c'est bon, tu veux plus continuer. Excusez-moi, tu as mangé la pêche. Tu veux plus continuer de manger la pêche. Et après, tu vas prendre une poire. Là, tu dois refaire la bracha pour après, parce que tu as fini. Okay. La poire, la pêche, tu avais mangé la pêche. Mais là, puisque maintenant, tu as bien attention rien sur cette pêche-là, et tu ne veux plus manger, quand tu veux manger maintenant une poire, tu dois refaire la bracha pour après. Mais ici, tu es un invité. Et puisque tu es un invité, ton attention, ton da'at, il est soumis à l'attention du propriétaire. Et c'est pour cela. Okay. Le propriétaire, il t'a emmené une poire, tu continues à manger sans bracha, suite à la bracha que tu as fait sur la pêche. Et si maintenant l'invité est chez toi pendant un moment, et cet invité-là maintenant, okay, ou par exemple son fils, et il peut ouvrir le frigo quand il veut, et il peut prendre qu'est-ce qu'il veut manger, alors la halakha selon Oréach. Selon l'invité, c'est annulé. Ça veut dire que là, c'est comme on t'a rajouté l'attention, le da'at, mais là, tu dois refaire la bracha si tu avais plus l'attention de manger. Averei maoskim batora o café. אינם צריכים לחזור ולברך ברכת שהכל על כל כוס וכוס. אלא די בברכה אחת על הכוס הראשון. וברכה זו פותרת את כל מה שישתה אחר כך. ואף על פי שהם שועים יותר משעה ומחצה בין כוס לכוס. שיש בזה יותר מכדי שיעור עיכול המזון. די לא רב. לזמי כיסון איזטיודי פרזום לתורה. פרקסם. ובסי כאן לורדון תונזונדן אין ור דה תה ואין ור דה קפה. כאן פרזום שבועות. Les nuits de Shavuot, les nuits de Shana Rabba, et le Shamash de la Beit HaKnesset, lui, il donne du thé, du café pendant la nuit. Il nous dit le Rav, pas besoin de refaire la bracha. Et sur chaque verre, tu as bu un café maintenant, et tu bois après un thé, etc. Ça suffit, une bracha pour tout. Et une bracha, elle remplit tout ce que tu vas boire pendant toute la nuit. Et même si maintenant okay, tu dépasses une heure et demie, okay, quand même, tu vas continuer à boire le café ou le thé, même une heure et demie après, suite à la bracha que tu as fait dès le début. Même si maintenant le café ou le thé, ils n'étaient pas préparés devant toi, ou même rien du tout, ça veut dire qu'il y a rien que de l'eau chaude, et toi maintenant. Le shamash, il va te faire un café quand même. Okay? Pas besoin de refaire la bracha. Et par contre, il nous dit le rab, et tov shi kavel bedato liftov birkato arishona et kol ma shevu lefanav leachamiken. Et c'est conseillé de rendre quitte tous les brachot okay, que tu vas boire pendant la nuit. Et mutzar latzel michus le bet avec knesset et shakala. Si maintenant tu dois sortir de la bet knesset pour un moment. Ou par exemple, tu es sorti dans les escaliers, ou tu vas dans une cour, que cette cour elle est ouverte à Reshut Arabim, à l'endroit, à l'extérieur. Il faut que tu refais la bracha, parce que sauf si une coupure, tu es sorti de la maison, tu es sorti même dans les escaliers, là, tu es obligé de refaire la bracha chaque midvaro sur le thé ou le café ou sur d'autres choses. Pourquoi? Parce que sinon, il m'a comme dire chale et serhatat, parce que quand tu changes d'endroit, ça s'appelle, tu as enlevé ton esprit de la boisson ou du fruit, ou etc. Sauf, autrement dit, le pain, le gâteau, ça, même que tu es sorti, même que Tatmarana Shukhana ou Hidi, que tu dois refaire la bracha quand même ici, si c'est un gâteau ou du pain, pas besoin de refaire la bracha. Mouta la sot ken echatrila, kede latset mide kol safek. Tu peux faire ça a priori, ça veut dire. Si un homme, lui, il se trouve
dans un Bet Knesset pendant la nuit. Et après une heure et demie, par exemple, il veut reboire. Et maintenant, il ne sait pas, est-ce qu'il doit faire la bracha, il ne doit pas faire la bracha, il n'avait pas l'attention. Tu peux sortir de la Bet Knesset et tu rentres dans la Bet Knesset, ça veut dire que tu causes une bracha pour sortir du doute, okay, de refaire, est-ce que tu dois refaire la bracha, oui ou non. Alors là, tu sors d'un Bet Knesset, tu rentres et tu refais la bracha. Aval im berech ala mihya ala uga rak mipnei shechasha sheyavor al zman nikul o im achal perot sheshiur berech borei minefshi ozot avot rak mihasha sheyavor zman nikul. Si maintenant, tu as mangé un gâteau par exemple, et ce gâteau, tu as fait déjà ala mihya ala kakala, ça veut dire bracha acharona. Pourquoi tu as fait bracha acharona? Parce que je crains que je vais oublier de dire la bracha haona. Toute mon attention que je fais bracha haona, c'est rien pour pas que j'oublie. Oh, imachal perot, keshiu oberech boren nefashot rabot, rak mehaja sheyavor zmanikul. Et si maintenant, tiens, j'ai mangé des fruits. Et je fais boren nefashot. Pourquoi je fais boren nefashot? Rien pour pas perdre. Kavana que j'oublie. Après une heure et 12 minutes de faire la bahara ona, et tu avais l'attention claire de manger encore des fruits. Alors ça veut dire que tu as fait boron nefashot rabot. Pourquoi tu fais des boron nefashot rabot? Pour pas que tu oublies de dire boron nefashot rabot quand même, puisque tu as fait maintenant boron nefashot rabot quand même. Et non, choser le vaïch alé bracha rajona. Tu ne vas pas répéter de refaire bracha rajona. Shab she birech. Ne fashot keman shelo birech. Ela mehacha sheva yavor zman bracha rajona. Et puisque maintenant, quand tu as fait la bracha rajona, c'était seulement pour pas oublier. Et non, choser le vaïch bracha rajona. Vou adin im shata et kos atek shoot sonen ou birech bore nefashot berkat bore nefashot bot. Ainsi aussi, maintenant, si maintenant tu as bu le thé qui est froid. Le thé qui est froid, tu as fait la bracha ahaona parce que tu as bu d'un trait. Quand même, tu dois faire bracha ahaona sur le thé parce qu'aujourd'hui, il y a iced tea. Et iced tea, okay, on le boit froid. Alors, même ce thé-là, maintenant qu'il était chaud, puisqu'il y a iced tea, pas besoin de... À Kavana, tu dois faire bracha ahaona. Pour aller m'ovnim bachouz, les chotim et des pam, maïm. וכדומה, ואהב ואינם נמצאים כל הזמן במקום אחד, נכון שברכו ברכת נפשות אחר שתיית המים, והתכוונו להדיה, להסיע דעתם מהשתייה הנוספת. וכששותים לאחר מכן, יברכו שהכל על כל שתייה ושתייה. אולם אם שותים כמה כוסות בזה אחר זה, או שנמצאים רק במקום אחד, ואין מסיחים דעתם מלשתות עוד, לא יברכו. Ella al kos arishon, il dit le rab. Des poalim, des ouvriers qui travaillent dehors. Et ils boivent, de temps en temps, ils boivent de l'eau par exemple, ou un café. Puisque maintenant ils ne se trouvent pas dans le même endroit, c'est conseillé de faire tout le temps boren nefashot rabot après que tu as fini de boire. Et d'enlever ton esprit. Par exemple, tu bois un verre, tu bois deux verres. Ça fait chakol, maintenant tu vas faire boren nefashot rabot si tu as bu d'un trait un revit, 86 millilitres. Et il faut que tu aies l'attention d'enlever de ton esprit de reboire. C'est-à-dire que tu as bu deux verres, c'est bon, tu ne veux plus boire, tu fais boren nefashot rabot après que tu as bu un revit, 86 millilitres. Et c'est bon, maintenant après, une heure, deux heures après, même que tu vas y aller dans un autre endroit, même que tu restes dans le même endroit, sauf, tu veux maintenant boire. Tu vas refaire chez Akol, et après, si tu as bu un rébi, tu fais boren nefashot rabot, je change le lacham iken. Alors, tu dois faire comme on a dit. Oulam, im, shotim kama kozot beze aharze. Maintenant, si on boit un verre, et après encore un autre verre, oshinim tseim rag bemakom echad, ven mesirim datam ishtot od, c'est-à-dire, tu bois encore, et tu bois encore, et tu vas encore boire, dans le même endroit. Alors, tu vas faire la bracha seulement sur le premier verre, comme dans le cas qu'on avait dit juste avant, parce que tu vas rester dans le même endroit aussi, et parce que tu veux boire pendant toute la journée. Alors là, il n'y a aucun problème.
האוכל פירות בשעה כדי עיכול, כדי עיכול, שהוא כ-72 דקות, ולא עקר ממקומו, ורוצה להמשיך לאכול מאותם פירות, אינו צריך לברך עליהם שוב ברכת הנהנים. Dit le rab, un homme qui prend un fruit et après qu'il a mangé un fruit, il a passé le temps de faire Braha Haona, que c'est 72 minutes. Et quand même, tu es resté dans le même endroit. Tu veux continuer à manger des mêmes fruits. Pas besoin de refaire la Braha Arishona Boe Prehaetz, même que tu as passé les 72 minutes. Oulam achote maim, Oshar Mishkot Kalim, et d'ato ayal ishtot café. Si par contre tu buvais de l'eau ou du Coca-Cola, du jus, etc., et tu avais l'intention de boire un café, et tu as fait Braha Haona sur l'eau, ou sur le iced tea par exemple, tu as bu un iced tea, un Coca-Cola, non, tu dois refaire la Braha à la café, boré, chakol, niabit baro. Parce que tout ton. Attention, c'était, tu as fini de boire maintenant le thé, ou le thé froid, ou Coca-Cola, ou de l'eau. Maintenant, quand tu vas boire un café, tu es obligé de refaire maintenant la bracha Rishona. Parce que tout ça, ça dépend de toi. Si maintenant tu veux continuer à boire, mais pourquoi tu fais boire une fachotte? Tu fais boire une fachotte pour ne pas oublier. Alors là, pas besoin de refaire maintenant Shakol Niyavid Baro. Parce que ton intention, elle était de continuer à boire. Ici, ton intention, elle n'était pas de continuer à boire. Quand tu as fait boire une fachotte. Quand tu as fait boire une fachotte, c'est pour rendre quitte. Qu'est-ce que tu as bu avant? Alors, mais là, quand tu vas prendre un café, tu es obligé de refaire chakol sur le café. Parce que boire une fachotte, c'est une coupure. Puisque tu as fait la boire une fachotte sur l'eau, ça s'appelle une coupure. Et toi, tu veux arrêter de boire. Et c'est pas comme on avait dit le cas d'en haut, que le rab, il a dit, pourquoi tu fais boire une fachotte rabot? Pour pas que j'oublie de faire baha haona. Alors je fais boire une fachotte rabot. Il dit le rab, et maintenant ton attention c'était de boire encore. Alors tu as fait boire une fachotte rabot pour pas oublier, et tu veux continuer à boire, là tu vas pas faire chez Akol sur la boisson que tu vas prendre après. Mais ici, ton intention, c'était, voilà, je ne veux plus maintenant boire de l'eau, etc. Je prends maintenant du café. Tu as fait boire une fachotte, tu es obligé de refaire chez Akol sur le thé, sur le café. Chez Arekan, Birir, Bechamanat, Dechila, Vesilek. Ken, et Da'ato. Encore une fois, la Chaye nous dit, le Rabbi, je dis, quand tu auras Seouda, je l'ai palel, Be'amad, Be'it palel, Afilou, Im, En, Sha'out, Ligam, Ligmo, Seoudato, Be'it palel. שחייב להפסיק, ואי אפשר לאכול עד שיתפלל, אם כל זה לא יביא הפסק, ואפילו אם יצא מביתו והלך להתפלל בבית הכנסת, בדיעבד לא יביא הפסק. Un homme qui s'est rappelé au milieu de sa seuda, il a pris du pain, il a mangé du pain. Et au milieu de la seuda, il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait, par exemple, mincha ou arvit. Même si maintenant, il n'a pas le temps qu'être de terminer sa seouda et de prier. Ça veut dire que ça s'appelle une coupure. Comme. C'est comme ça s'appelle une coupure. Parce que sauf, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'arrêter. Quand même, il nous dit le rab, même que tu es obligé de terminer, d'arrêter, yefchal et rol, et tu ne peux pas, par exemple, quelqu'un qui a prié, qu'il a mangé, excusez-moi, pendant la nuit. Et maintenant, il arrive là, la lesvane de tefila, en disant, mais non, tu n'as plus le droit de continuer à manger. Quand même, mais quand tu vas faire la tefila, quand tu vas rentrer chez toi, ça ne s'appelle pas efsek, une coupure. Tu peux continuer à manger du pain sans la faire la brachat amotzi lechemina aretz. Afilo im yatsa mi beto ve'alar leitpalel bebet haknesset, même si tu es sorti de chez toi et tu vas à la bet haknesset pour prier, quand même, Bidiyava, il te dit le Rav, c'est sûr que c'est a priori, il ne faut pas faire ainsi. A priori, il faut faire Birkat Amazon. Et après, tu vas faire ta tefila. Après, maintenant, quand tu vas rentrer, tu vas faire parce que tu as peur que tu vas oublier. Mais quand même, ici, il dit le Rav, Bidiyava, ça marche et ça ne se fait pas. Efsek, Razak ou Baruch.